Bonjour chers élèves, nous avons une séance de lecture. Prenez vos livres de lecture, page 154. Lisez le titre. Qu'est-ce qu'il annonce? Observez les illustrations. Vous avez deux illustrations. Qu'est-ce qu'elles représentent? Comment est présenté ce texte? On parle de la forme, la mise en page. Qui a écrit ce texte Donnez le nom de l'auteur. On passe à la rubrique ⁇ Je découvre le texte ⁇ Question 1. Cette page est extraite du journal intime de Sarah. Qu'est-ce qu'un journal intime ?⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Entourez la bonne réponse. Vous avez trois propositions. Un journal qu'on achète et qui parle des fêtes et des mariages. Un cahier dans lequel on écrit ce qui nous arrive d'important est aussi ses sentiments. Ou bien un journal de ce qui se passe dans le monde. Question 2. Combien de jours sont mentionnés dans cette page du journal intime de Sarah Quels sont-ils Question 3. Dans cette page, de quel événement parle Sarah Question 4. Pour chaque illustration, recopie le passage qu'elle illustre. Vous avez deux illustrations. Chaque illustration a un passage. Cherchez-le dans le texte, bien sûr. Vous allez entourer ce passage. On passe à la rubrique J'apprivoise les mots du texte. Question 1. Relève dans le texte tous les mots qui viennent de la langue arabe. Il y a des mots qui viennent de la langue arabe. Ça veut dire qu'on ne les trouve pas dans la langue française. Question 2. Sarah dit qu'elle a inventé un mot dans la ligne 36. Elle a inventé un mot, ça veut dire qu'elle a créé un mot. Lequel À ton avis, que veut dire ce mot Question 3. Que signifie l'expression une montagne de cadeaux. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire une montagne de cadeaux Trouvez un synonyme, un mot qui dit la même chose. Cochez la bonne réponse. Des cadeaux pour se promener en montagne Beaucoup de cadeaux ou bien peu de cadeaux Lisez le texte plusieurs fois pour bien comprendre et répondre aux questions de la rubrique Je comprends l'histoire. Question 1. Qui se marie avec qui Question 2. Où a lieu ce mariage Ça veut dire. Vous allez citer la ville. Question 3. Récris les jours du mariage de Zakia dans l'ordre où ils sont déroulés. Vous avez les jours dans la question qui sont en désordre. Vous allez les mettre en ordre. Question 4. À quelle partie du mariage Sarah n'a-t-elle pas participé Pourquoi On passe à la question 5. Décris les habits de la mariée. Ça veut dire, dis comment sont les habits de Zakia. Question 6. À qui Sarah compare-t-elle sa sœur Ça veut dire, comment elle la trouve Elle ressemble à quelqu'un, peut-être Question 7. À quel moment Zakia et Mohamed sont-ils mariés Ça veut dire quand est-ce qu'on peut dire que Zakia et Mohamed sont mariés Question 8. Laquelle des deux familles, celle du marié, ça veut dire Mohamed, ou bien celle de la mariée, celle de Zakia, doit fournir le futur ça veut dire apporter le tour le matin, le, dans le quatrième jour. La dernière question, question 9. Combien de temps a duré l'ensemble du mariage Ça veut dire combien de jours On va travailler le texte ensemble et vous allez trouver les réponses sous forme d'un PDF dans le site de l'école.